Yo tout le monde, c'est Arkay50. Donc on se retrouve tout de suite sur une vidéo et je vais vous présenter une vidéo sur comment mettre des mods sur GTA sec. Déjà il vous faut aller sur un site pour, déjà il vous faut le jeu. Il vous faut une console qui est ou une Xbox Glitch, une Xbox Escape ou une Xbox Splash. Je crois Splash, je suis pas sûr, vous pouvez me corriger sur internet, en commentaire. Donc voici un site, voici un mode. J'ai déjà fait une vidéo, ouais, je l'ai fait avant, c'était aujourd'hui. Vous pouvez la voir, vous pouvez regarder. Je vais de toute façon vous donner un lien pour voir ce que j'ai fait sur un mode GTA 5. Tout ça grâce à Skyro81. Je remercie vachement. Merci à toi, Skyro. Je suis sûr que tu m'en. Je sais pas si tu m'entends, je le dirai de toute façon, t'inquiète. Donc voilà. Donc déjà, ils vont vous expliquer comment installer. Je vais vous montrer quand même comment ils font. Il faut faire HDD1. Vous allez dans HDD1, c'est HDD. Vous voyez, il y a, vous allez dans File Browser ou Get Menu. Et vous tapez HDD Content. Et là, après, il y a 000. Et là, voilà, il faut pas se tromper, là, c'est 545, 408, A7, vous y allez. Et là, normalement, il y aura 002, là, je sais pas quoi. Vous créez un fichier qui s'appelle 000B0000, c'est pas des O, c'est des 0. Et là, après, vous tapez, vous allez dans le jeu, vous faites LB plus LT, et là, vous chargez, ça marche. Vous avez vu, de toute façon, je vous ai expliqué dans la vidéo, tout ça. Donc là, c'est tous les, tout ça, là, c'est tous les modes, tout. Ça, c'est les créateurs. Bon, voilà, quoi, il y a des milliers de gens. Mode manager, c'est un bon mode, je crois. Ouais. Il faut aller tout en bas, de toute façon, c'est les derniers. Il faut être téléchargé et vous le téléchargez. J'ai pas envie de le télécharger, mais j'ai déjà. Donc, je vais vous le montrer. Hop. Là, c'est data. Hop, et là il y a un fichier qui s'appelle GTA 5 Mod Manager. Vous aurez ce truc pour les installations. Vous voyez, je vais vous montrer les fichiers. Voilà, vous voyez, ça vous explique. Là, on s'en fout, c'est surtout ça qui nous intéresse. Voilà, voilà, là il y a crédit. C'est une photo. Donc oui, j'ai un nouveau PC, c'est pour ça que vous faites ça. Et vous aurez ce fichier. Et je vais vous montrer comment le faire. Vous allez dans le disque local F. Et là, GTA 5. Vous n'êtes pas obligé de le mettre. Où j'ai mis. Vous n'êtes pas obligé de le mettre. Moi j'ai copié. Vous le copiez. Hop. Et bien sûr, vous l'installez dans la prochaine vidéo. Vous l'avez vu. Voilà. Bon, ça c'est les jeux. Donc oui, j'ai aussi un autre mode menu. Je vais faire une pause et je reviens tout de suite. Heureux. Donc j'ai oublié. Donc là, bien sûr, il y a la page. J'ai oublié quelque chose. Une deuxième partie. Comment installer en mode .exe. Donc déjà, voilà, j'ai pris celui-là. Alors, il vous explique. Hop, blocage des mises à jour système, débrouillage. Déverrouiller des XBLA. Moi je ne peux pas le montrer parce que je ne sais pas trop le faire. Donc vous allez seulement sur ce site, je vous montrerai. De toute façon, vous pouvez faire ce que vous voulez. Oui, j'ai Dash Launch. Ah oui, mais oui, il faut utiliser Dash Launch pour débloquer tout ça. Blocage de mise à jour système, déverrouillage du BLA, auto-boot sur une application choisie, activation du plugin. Pour ce mode menu, c'est écrit GTA, il vous faudra ajouter un plugin dans votre launch.in. Notre menu se nomme GTA 5 menu.exe. Donc il suffit juste d'ajouter le fichier à la racine de votre disque dur et le nom du fichier dans le launch.in, comme ci-dessous. Exemple, plugin, plugin 5 HDD. Ok, il faut aller dans plugin. Ok, c'est facile. Alors. Donc, je ne vais pas le faire.
Mais c'est facile comment faire. C'est un peu pareil que l'autre mode. Sauf que celui-là, c'est une autre chose à faire. Pour l'activer, c'est ces deux boutons. Mais l'activer, c'est D-pad de gauche plus X. Et ça vous fait ça. C'est vraiment un mode. C'est un mode anglais. Alors après, il y en a plein. J'en ai vu deux autres qui sont au même système. Je vais vous mettre celui-là. Après, vous faites ce que vous voulez. Donc voilà. Ah oui, j'ai oublié. Ben, c'est pareil. Moi, je fais pareil. Hein. Je fais hop, j'étais à 5 minutes. Voilà. Et voilà. C'est pareil. Donc, ben, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Ben voilà. Allez. Bye.